Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir où en est votre relation avec votre autre, la personne qui est chère à votre cœur, la première personne à laquelle vous pensez. Que vous soyez en couple ou célibataire, que ce soit une personne que vous souhaitez retrouver, dont vous êtes séparé, nous allons voir toutes ces énergies-là aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je tenais à vous remercier hein, toutes et tous pour vos likes, partages, commentaires, merci de me suivre et merci, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot. J'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit est cette personne. Est-ce que vous pouvez me délivrer un message clair, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, pour la personne qui regarde cette vidéo? Ok. Nous avons ici le valet de coupe. Donc, j'ai même pas eu le temps de faire la coupe que nous avons déjà ici le valet de coupe. On voit bien cet homme qui vient offrir une coupe et il y a un poisson dedans, hein, on est dans le domaine des émotions. Cette personne a envie de revenir vers vous, elle a envie de quelque chose de nouveau avec vous. Hein. Dans quel état d'esprit est cette personne, s'il vous plaît? Ok. Cette personne reprend du pouvoir, cette personne a une position assise, c'est peut-être quelqu'un qui est chef d'entreprise ou qui a du pouvoir hein, dans la vie, on voit que cette personne, avec la papesse, cette personne garde cet amour pour lui, hein. Il va trancher hein, avec la reine des pays, sait ce qu'il veut, il prend soin de lui avec la tempérance, il met de l'eau dans son vin et puis ici, il se bat pour trouver un équilibre et revenir vers vous. Il est nostalgique de votre amour et ça, il ressent des insomnies. Hein. Il se prend la tête, il ressent des insomnies. Ici, nous avons, d'accord, avec le page d'épée, on va plutôt nous parler ici de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Cette personne, il y a des personnes, ok. Il y a une victoire sur des rumeurs, sur des personnes qui sont médisantes. Il y a une victoire dessus, mais très clairement, il s'ennuie sans vous. Il a envie de revenir vers vous avec le cavalier de coupe et de vous reséduire. Il garde espoir hein, avec la carte de l'étoile. Ok, très bien. Allez. C'est parti. Dans quel état d'esprit cette personne par rapport à vous? Ok, cette personne garde espoir avec la carte de l'étoile. Elle est en repos, elle prend soin d'elle, mais elle s'ennuie. Hein. Ok, vous, d'accord, vous attendez, hein, vous attendez qu'il revienne, vous vous sentez, vous avez un sentiment de trahison et vous attendez le jugement divin. D'accord. C'est possible ici qu'on ait une énergie tierce, parce qu'on a le 3 de denier ici, même si la signification de cette carte ne veut pas dire, n'a pas cette signification-là. Ou alors on a la possibilité de concrétiser des projets. Sur votre lien, j'ai également le cavalier d'épée, donc attention, ça remue. Avec le cavalier d'épée, on nous annonce l'arrivée d'une personne qui fonce, qui est prête au combat pour défendre ses idées. Hein, on nous parle également de lutte et de bouleversement. Vous êtes tous les deux dans la lutte, mais peut-être qu'il y a une lutte par rapport à cette reine de denier. Hein, ça me parle.
C'est ce qui me vient tout de suite en termes de ressenti avec, avec cette reine de deniers. On nous parle d'une femme ici qui est vraiment une femme dans le matériel, dans l'apparence, une femme qui clairement aime l'argent. Hein. Vous attendez de ces nouvelles. Ici, avec le 5 d'épée, on va nous parler d'adversité. Hein. Bah, ça paraît un petit peu logique. Et d'hostilité, vous vous sentez un petit peu triste ou dans une impasse, vous attendez le jugement divin. Ok, on va éclaircir ces cartes. Allez, pour votre autre. Ok. Il garde espoir pour avoir toutes les cartes en main pour vous rejoindre. Il prend soin de lui, il se repose pour avoir pour avoir une nouvelle énergie créative. Mais en tout cas, même en se reposant, enfin voilà, je vois l'impératrice ici. Cette femme, je pense qu'elle vous représente. Hein. Il s'ennuie bien qu'il ait acquis une très forte, enfin une belle position matérielle. Ici, on va nous parler de sécurité financière. Voilà, il reste un petit peu dans son petit confort. Hein. Allez, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de deniers? D'accord, vous travaillez à patienter. C'est bien, c'est bien. D'accord. Donc vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous quittez une situation difficile et on me parle ici avec la carte du jugement et le 6 de bâton. Il va y avoir une victoire pour vous. Grâce à un jugement divin, on me parle ici de karma. Ok, d'accord. Donc cette personne, enfin vous travaillez à bâtir quelque chose de sérieux. Hein. Vous quittez tous les deux une situation où vous fermez un cycle vraiment ultra difficile. Vous avez la force de combattre cette reine de deniers. Vous y mettez votre énergie physique et mentale, aussi bien l'un que l'autre. Hein. Et ici, pour compléter le tout, on me dit patienter. Hein, avec la roue de la fortune, la roue tourne, les amis. La roue tourne pour vous deux d'ailleurs. Ok, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec Lightseer's Tarot. Allez. Ce magicien. Ok, on a l'empereur, hein, ça le représente. Voilà, il se structure. Là, il se repose, mais il se prend la tête par rapport à vous. Hein, vous occupez toutes ses pensées. Hein. Ici, d'accord, il s'ennuie, il garde pour lui et il a un projet de venir vous rejoindre avec la carte du chariot ici. Il a un projet de vous reconquérir. Tous les deux, hein, vous êtes tristes. Hein. Vous êtes très très tristes parce que vous avez énormément envie de bâtir quelque chose de sérieux. Vous avez une grande souffrance. Hein. Ici, on me parle de... Voilà, il y aura une victoire et il y aura des célébrations. Et ici, vous allez être dans un nouveau départ, hein, tous les deux, un nouveau départ financier. D'accord. Ici, vous quittez une situation difficile. Vous quittez une situation difficile et avec le 6 d'épée, on va nous parler de lassitude, de stagnation. Vous allez faire le bon choix et on a la carte des amoureux qui ressort ici. Et ici, vous allez avoir une victoire. On a la carte du diable ici. Vous allez avoir une victoire sur des sur comment dire? Sur des dépendances en fait, sur des dépendances, sur une dépendance, la dépendance à cette femme. Voilà ce qui me vient, voilà ce qu'on me dit. Ok, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Bon, bah ok, j'ai la carte de la séparation qui sort, c'est bien ça. Il y a la séparation avec cette énergie tierce. Vous vous projetez, mais il va y avoir quelques retards. Voilà.
avec la carte de la roue de la fortune, on nous dit bien, voilà, on nous dit bien de patienter, hein. Ici, vous êtes sur la défensive, vous vous protégez. Et c'est quelque chose qui demande du temps, hein. On vous demande d'être patient. Ici, nous avons l'homme. Alors, cette séparation, qu'est-ce que c'est? D'accord. C'était plus une relation basée sur le côté charnel avec la sexualité. Et on me parle ici de tranquillité retrouvée, hein. En fait, cette séparation, c'est pour retrouver sa tranquillité, ou alors avec la sexualité, tout simplement, avec cette personne, pour lui, ça, lui ou elle, ça n'allait pas. Ici, on a une fatalité dans des réunions. Alors peut-être avec la conjoncture actuelle, qu'il devait y avoir, bah voilà, des festivités, des réunions, et au final, bah voilà, c'est annulé. C'est fort possible aussi, hein, même si ce tirage est intemporel. Avec les retards, on va avoir des examens à passer, et on nous parle de la femme. On se protège des paroles des autres. On garde pour soi le fait de vouloir rejoindre son autre. Alors ici, je pense que ça va plus parler aux personnes qui vivent loin de l'autre. Hein. Loin l'un de l'autre, pardon. Avec le temps, voilà, on a l'évolution et l'hérédité. Vous allez construire quelque chose de sérieux. Et avec cet homme, on nous dit, voilà, vous avez le retour de cette personne, mais il y aura quand même des choses en rapport avec la loi et l'argent. En tout cas, cette personne vous retrouve dans ses rêves. Et rêve de vous retrouver. Ok, très bien. J'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec l'Anima Mundi Tarot. Allez. Voir un petit peu comment cette personne vous voit-elle. Comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, j'ai pas eu le temps de mélanger. Hop, ça saute tout de suite. Les cartes veulent parler, hein, aujourd'hui. Comment est-ce que cette personne vous voit? Ouh, j'en ai trop là. On se calme. Allez, un message clair, s'il vous plaît. Bon, bah décidément, je vais finir par les prendre. Ok. Cette personne vous voit en pleine transformation et avec le 5 d'épée qui ressort encore une fois, hein, ici. Cette personne vous voit comme voilà, vous êtes en pleine transformation, elle vous voit, elle a l'impression que vous êtes dans une impasse et que vous gardez quand même espoir, que vous êtes également protégé. Protégé. Ici, avec le 7 d'épée, cette personne pense que vous êtes dans une situation instable, que vous avez des obstacles, mais on nous parle également aussi de rupture, elle vous voit en rupture avec elle. Et ça, ça l'a fait énormément souffrir. Et ici, avec le page d'épée, ici, on va nous parler. Enfin, vous voyez ce papillon qui sort d'un cocon. Pour moi, ça rejoint la carte de la transformation. Cette personne pense que vous êtes en pleine évolution et que vous pensez à vous et vous avez rompu avec elle. Hein. Allez, encore une. D'accord. Bon, je pense qu'on peut pas mieux avoir mieux. Pour cette personne, ici, cette personne vous voit comme une personne rayonnante, hein, qui est avec la carte du soleil. Vous êtes le soleil de sa vie. Hein. Elle le sait. Elle le sait. Ok. Que compte faire cette personne avec vous? Ouh, eh bien dis donc. Ok. Cette personne avec le 5. Le 8, pardon, le 8 de coupe. Cette personne, elle est dans une mélancolie. Elle pense que vous êtes dans une séparation. Elle est très triste. Hein. Que compte faire cette personne? D'accord. Bon, bah ici, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux.
Cette personne veut avec vous le 10 de coupe, les amis. Le 10 de coupe, c'est, elle veut une stabilité affective et familiale. C'est la plus belle carte du bonheur de la suite des coupes. Cette personne est sincère. Elle veut vraiment une harmonie, un projet d'avenir commun. Elle veut vivre avec vous tout simplement et construire quelque chose de sérieux, hein, une relation sérieuse. Et ben c'est magnifique. J'en ai des frissons tellement, tellement je trouve que c'est beau. Je vais m'arrêter là avec le tarot. On va prendre une petite carte conseil avec les anges de l'amour. Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Et ben voilà, j'en ai deux. Nous avons ici la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. J'ai envie d'en prendre une petite dernière. C'est sublime. Allez, s'il vous plaît, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Une dernière carte. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Sublime. J'adore. Allez, on va aller chercher une petite carte avec l'oracle du chemin pavé d'or. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo avec leur autre. Quel conseil est-ce que vous voulez nous donner? Eh bah ben, dis donc, les cartes veulent vraiment parler. Hein. Ce tirage, c'est un tirage rayonnant, magnifique, sublime. C'est magnifique. Regardez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Je fais un tirage, voilà, je fais une vidéo. Il y a pas de, je prépare pas mes tirages à l'avance. Ici, nous avons un océan d'amour. Allez, je vais vous lire ça. Alors, est-ce que je vais trouver la page? Ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt à l'instant présent. Remerciez donc le passé et laissez-le s'en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif, la disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Examinez tout cela avec objectivité et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau, il n'y a jamais d'erreur car rien n'arrive au hasard. Tout rime dans la sphère cosmique, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. C'est merveilleux. Allez, on va poursuivre avec, on va terminer avec trois petites cartes conseils de l'oracle des fées. Allez, trois petits conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo et complétez ce tirage, s'il vous plaît. Nous avons la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Vous avez vu un petit peu comme ça se rejoint? On parle ici du moment présent et ici également. Vivez pleinement votre moment présent, les amis. Profitez. Profitez, la vie est courte. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Les amis, j'ai une chose à vous dire. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Aimez-vous, les amis. Vous êtes merveilleux. Vous êtes
de belles personnes, croyez-le et aimez-vous. C'est très important. Protégez-vous aussi. Allez, une dernière. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Voilà, ça se rejoint. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour ce tirage aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ou me mettre un petit commentaire. En tout cas, merci infiniment à tous et je vous souhaite, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous!